Nous avons un représentant de Frères Unis ensemble avec nous, d'autres nous sommes celles groupes qui sont dans Vijakmel Lala et qui représentent les éclaireurs. Et maintenant, nous avons fait sensibilisation côté que pour un cyclone Thomas que nous avons annoncé qui est vraiment dangereux sur le département sud, département sous côte sud là. Et c'est dans le moment où nous avons aller là, nous avons invité nous dans la bureau délégation pour nous aller et puis pour nous sensibiliser pour nous, pour nous aider nous. Et en forme SOS. Bon, je trouve que jeune temps qu'on a fait gros travail dans le pays, félicitations, je vraiment apprécié ça. Est-ce que quel message que nous avons fait passer par Londres avec l'autre jeune pareil nous qui peut cap mobiliser pour faire pour porter la main forte. OK, message que nous avons fait avec l'autre jeune pareil nous c'est que ça travail ça qu'a fait là, c'est travail nous tous nous même jeunes haïtiens parce que pas arrêter garder pour les dire pour dire non nous pas mettre parce que c'est jeune. Oui. Pas dit que son travail volontaire lié, pas dit que ou pas scout ou bien ou pas en quoi ou pas en mob quoi, oui, donc ou pas mettre. Il suffit que vous êtes jeune, c'est dégagé, j'en sa fête là, si vous sauvez un monde, j'en ka sauver un team là, surtout, vraiment c'est yo, team moun piti yo, dès que vous vivez un côté ou ka sauver, c'est pour rendre, retirer le côté que l'on danger. Ou vivez un côté ou kai, moun sa li en danger, ben moun nan conseil d'il déplacer pour ce côté lié à li pas bon. Ok. D'accord, même si vous êtes jeune, n'importe quoi, il n'y a pas dit que vous êtes jeune ou pas dans ce groupe, pas dans ceci. Mais il suffit que vous fassiez un message à passer, vous fassiez un travail là pour la population haïtienne. Ok, je vais vous dire un mot parce que nous, comme nous sommes tous mobilisés, nous avons un mouvement qui est vraiment important. Qui est-ce que vous dire à l'autre jeune femme? Ça, je vais vous dire un mot parce qu'il y a un film qui ne connaît pas le citoyen, c'est un des nous. Et il y a un monde qui est les autant de ça dans la bouche du peuple là, je ne prends pas ça au sérieux. Et je demande aux gens qui étaient bon rivière, qui étaient côté bon en mer, je demande aux gens pour être déplacés, pas faire tête du lait, du sorti, alerter un côté sous le monde, côté que vous famille, vos amis, pour justement les mouvements en passer pour eux-mêmes par l'outil. Merci beaucoup, Wabay Non. Oui, c'est Lisa Magaline. Ok, merci beaucoup. Ok, message encore, Nagyo. Nous bon, merci pour l'interview. We are in cimetière Port-au-Prince, entre rue Monseigneur Guillou et puis jeune activiste Port-au-Prince, pas j'aime suspendre travail. C'est ça m'a fait expliquer les gens qui pensaient que le pays en plein pile, petit tête collée, tête chatte. Le pays en plein nec voyant, femme voyant, mais il est pour nous prendre côté, pour nous parler avec eux. Comment nous y est, monsieur? Nous dit non, nous? Nous saluons, nous. Et nous-mêmes, c'est la protection civile de Port-au-Prince qui est dans ce cimetière avec ce premier novembre. Ok. Qui ça, premier novembre, signifie pour nous travailler à faire? Qui signifie son espace de sensibilisation, son moment pour mobiliser un paquet de monde qui va être dans ce métier-là pour faire campagne lavée-mère pour connaître qui intérêt que vous gagnez là-dedans. Et m'a montré campagne lavée-mère? Oui, pas de problème. Ok. C'est tout le monde qui a lavé-mère, oui, d'accord, oui. Mais vous connaissez que lavé-mère, mais n'est-ce pas blague et caca dans le bois? Si nous ne retirons pas de foucault, nous avons toujours besoin de lavé-mère. Nous, qui s'en a fait avec ça? Bon, pratiquement nous-mêmes, et nous ne pouvons pas parler ni de informations que nous ne pouvons pas vérifier. Nous parlons de bagages que nous-mêmes nous vivons. Nous sommes certains que plusieurs personnes qui mourent avec maladie de choléra. Et nous-mêmes, nous avons fait prévention dans le milieu de Port-au-Prince pour nous dire que nous lavons les mains avant de manger, lavons les mains, nous sommes dans la toilette pour plus manger que nous avons mangé. Nous sommes capables de sensibilisation, de prévention que nous-mêmes avons fait. Bon, d'accord. Et vous avez monté en chose ou deux? Oui, nous avons dit que nous avons toujours traité l'eau, il y a pour eux, à Quata ou bien Jif. C'est une façon qui nous apprend, j'aime mes propres que les choléra. Ok. Facebook. Facebook. Nous avons le commandant qui est en c'est directeur de protection civile du maire de Port-au-Prince. C'est directeur de protection civile du maire de Port-au-Prince. C'est Guy Verdier. Guy Verdier, mais. Guy Verdier. Mais c'est un gros travail, moi, vraiment fier de faire moi, l'homme, ça fait. Non, protection civile, c'est pas ça, nous, c'est un gros travail. Moi, fier de nous. Pour directeur, expliquez tout le détail, ça nous fait. Bonjour, directeur, merci. De mon titan. Moi-même, c'est Laïni Pierre. Je suis écrivain haïtien. Et puis, toujours chercher information dans la bouche peuple, moi, parce que l'Europe, regardez, les gens qui parlent pour nous, ils ne pas tellement dire nous ça qu'ils fait vraiment. C'est toujours bien pour nous même pour nous parler par la bouche par nous pour nous parler dans bon mamie. Bon et bonjour Mamzou. Bon travail et Mamzou continuer. Et dans le moment ça ou bien Jean-Pierre est là
là une jeune fille qui accepte de sacrifier pour arriver pour son bagage, ça c'est pour vous bien pour pas tant c'est l'amour et pour mon noyau m'a commencé tout ça depuis qu'on y a bon travail continuer comme ça que il a merci beaucoup tant que je commande Jimmy Sotville et nous c'est responsable de protection civile mairie Port-au-Prince immédiatement après une nouvelle nous même nous t'ai embrassé ça et puis nous t'ai chita et jusqu'à 10h 11h du soir nous t'ai sorti avec une solution elle part de l'autre bagaille qui c'était on fait prévention on fait sensibilisation pour nous capables exactement camper ou bien contre carré choléra au niveau zone Port-au-Prince. Parce qu'on a dit nous c'est responsable protection civile, mairie de Port-au-Prince, mais nous parfois comme si pour tout le pays qui est le DPC, c'est direction nationale protection civile, les mêmes qui coiffent tout le CCPCO, ça veut dire qu'ils ont intérêt pour faire un message général, mais c'est le même message là pour être capable de diffuser la radio, télévision, etc. Immédiatement que nous avons fini avec la solution, nous avons fait le conseil d'administration communale pour que ça parle. Immédiatement, nous avons embrassé ça et fait ça que nous avons de crise. Ça veut dire que nous avons accompagné la protection civile. Nous avons demandé et fait appel avec l'ONGO, avec l'État central pour qu'on accompagner la protection civile. Pour qu'on puisse faire un message de passer pour bien. Nous commençons une phase de sensibilisation qui commencé depuis mercredi. Mercredi, nous faisons généralement ce qui nous passe. Et nous faisons trois phases. Nous allons dans le stationnement Pusio. Et nous faisons tout au niveau de l'école et de l'école communale. Nous faisons par exemple, nous avons deux kits que nous préparons pour malheureusement que nous avons un kit ensemble avec Mme Damon. Nous avons deux kits que nous mettons à quoi table la donne. Nous mettons de l'eau la donne, nous mettons chlore la donne, chlore la donne et nous mettons brochure la donne. Donc il y a des messages pour nous faire pour nous non seulement appeler et pour quitter l'échantillon, nous montrer et nous faire simulation tout pour montrer nous comment vous la vie et comment vous devez vous avec nous. Bon, moi d'accord, parce que là, il y a des gens qui veulent faire nous comprendre que l'armée n'est pas rien, mais pas rien et puis n'a pas beau travail. So, c'est pour diffuser le travail là. M'a prendre un long chat pour m'ka prendre maillot et puis message. Ça vaut bien. Et puis d'en tout à bon on chat de maillot hein. OK, on peut coller pour nous combattre choléra. Merci beaucoup.